dernière partie de cet après-midi en 4 épisodes. On vient de finir notre petite intervention. Pensez à regarder les autres épisodes, c'est quand même important parce que voilà. Hein. On va demander les bookies. On a fait preuve de beaucoup de au talent. Star, et donc là, on appelle on peut les pompiers. Avoir une unité EMS en position. On appelle les pompiers. Armée, ainsi qu'un puisqu'on a sur la montagne, deux morts plus un mec on pourrait, les interpeller sur après, la montagne. Après réanimation. Affirmative, j'ai appelé une unité. Bien reçu. Bon, en tout cas, c'était nice. Hein. Ouais. Oh, on braquage en premier. De toute façon, on doit rester là. Hein. Oscar, il fait quoi? Ah, mais Oscar, il s'y rend dessus. Oh, attention, attention, un véhicule qui sort. A mon avis, c'était pour contourner le barrage. Ouais, je pense. Il y a le mec derrière sa Mustang, j'ai défoncé. Bah, j'ai mis deux balles. Mais il était à l'intérieur de la Mustang, il était pas derrière. Hein. Non, mais genre avant qu'on tue le sniper. Patrouille Alpha, dépasse plus Oscar. Ah, il y en avait un derrière la Mustang. On a une unité médicale qui arrive. Bien reçu. En même temps, on est un peu à côté de la caserne. Hein. Ouais, elle est juste en face. Donc... Nice, c'est les petits médics. Petit masque anti-lacrymo. Ah, c'est stylé. Il marche bien. Ouais, il sert bien celui-là. Ouais, mais moi je l'avais pas mis, sauf que je l'avais pas mis. Du coup, j'étais lacrymogéné aussi. Ouais, mais en fait, voilà, j'avais bien regardé la sortie. Je me suis dit, allez hop, on se casse. Et puis voilà. Ok, le tueur est spawn dans la montagne. J'ai GRP. Oh putain, je prends un screen quand mon mec il passe sa main. Bonjour. Je vais faire la discussion. Ah, il faut les... Il avait pas de véhicule, le mec, dans la montagne, putain. Non, mais ils l'ont déposé avant. Ouais, ils l'ont déposé, celui-là. Moi, je pensais qu'il aurait un véhicule à lui. Donc, les mecs, on interpelle, on les met dans l'ambulance. Enfin, on laisse faire la médic dans l'ambulance. Et ils ont respawn, je crois. Et on les escorte jusqu'à l'hôpital. Ouais, y a plus, ils ont respawn, ils ont respawn. Non, sérieux? Ouais. Ouais. Mais putain, mais les mecs, ils jouent pas RP, quoi. RIP. RIP le respawn, bon, j'annonce à Oscar. Oscar pour Alpha. Les individus sont décédés, donc arrivés des SP, cependant ils ont pas réussi à les réanimer, donc nous on va repartir en patrouille, on lève le barrage et puis on est parti. Je laisserai enlever vos petites barrières les gars. Car, 700 meters bearing 105. Hop, enlever le petit masque anti-lacrymo. On remet les petites lunettes stylées. Et c'est Bibi qui conduit puisque Bibi l'a géré. Hein? Hein? Oui! Oui! Allez! Petit médic. Du coup, vous faites quoi avec les médics là? Prends en charge la. La caissière? Je vais vous l'appeler la mort ou je m'en occupe de l'appeler? Bah, je crois que la mort s'en est déjà occupée. Je crois que la morgue elle s'en est déjà occupée là. Vous êtes bien en dit, en tout cas pour cette intervention. Car pour Alpha. Désolé pour le dérangement du coup. Non mais y'a pas. Allez, bonne journée. Bon courage. Car pour Alpha. En symétrie. Vous avez besoin d'aide au niveau d'Union parce qu'il y a eu un message 911. Ok. Ils ont bien dit négatif, hein. Négatif. Ouais. Au moins, on est reparti. On est reparti, ce fut une belle intervention. Petite patrouille, tu pourrais mettre 90, s'il te plaît. Bah, je suis à 90. T'es sûr? 93, oh, ouais. Ça va. Ouais, ouais, c'est le pire, ça, hein. Forceur. Où c'est dans ce bâtiment-là qu'on a fait le... L'entraînement, là, derrière nous? L'entraînement, ouais. Ouais, c'était bien. Il y avait du monde sur le serveur, il n'y avait pas de monde. Non, il n'y avait personne. Bah là, il y a du monde sur le serve, là. En même temps, il était 14h quoi donc Ah ouais, 14h, bon, excuse-moi, je suis en cours hein. Excuse-moi monsieur Vitali mais tu voilà. Peux passer Jack Nico là s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, faut que j'ai un petit masque. Faut que j'ai déposé, j'ai 7 missions. Ah parce que Vincent n'a pas de masque, elle va bien. Et là, bon, tu l'avais et tout là, tu vois, là, petite pointe. Ah, c'est 70 ici non. Ouais ouais. Bon, j'ai fait bon, juste le double mais c'est pas grave. Ah bien, bravo. bravo. Allez, speed de Vitali Allez, speed de Vitali là, collègue, il est pas dans l'écran là. Il est pas dans l'écran. Ok, il m'a répondu, bah t'es viré. Oh, pff. Je suis très... Imagine le mec il est viré en pleine vidéo, tu sais. Bon, bah on va se laisser là pour cette vidéo, voilà, je suis viré de la police, vive ma vie et puis...
Bon. La ride pense. Ouais, mais c'est sûr. J'ai supprimé juste mon petit marqueur. 22 civils, là, il doit y avoir du braqueur du machin. Non, mais on va passer sur la poste de contrôle, voilà. Ouais, je peux passer en milieu. Oh, GG. Ah, moi, toujours 800. 100 000. Ah ouais, t'avais que 5000 quand t'as postulé? Ouais, pas que 100 000. Ah, 100 000. Ouais, 100 000. J'ai cru 5000. J'avais 30 000, moi. Oh, mais moi, j'étais riche par rapport à vous, j'avais 400 000. Oui. Ah, bah écoute, moi j'avais 30 000 et là je suis à 2 millions. Oh putain, allez. Moi je l'ai vu, 98. Oui, mais c'est pas vraiment l'excès. Bah si, c'est un excès de vitesse. Bonjour, monsieur. Ah, bon, je vous laisse faire. Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Ah bah... Oui, je sais. Ouais, pourquoi? Bah parce que... Disons que j'ai voulu essayer ma forme de stang et... Je fais. Bon, elle est en règle la voiture? Ah oui, elle est en règle, oui, tout à fait. Est-ce que je peux vérifier ça? Bah oui, pas de soucis, allez-y. Allez-y, bah donnez-moi les clés de votre véhicule s'il vous plaît, enlevez les mains de la tête, c'est bon. Je peux savoir votre nom. Petite photo, écoutez, petite photo. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez bien voir du Remet 3 Life sur ma chaîne. J'espère que ça vous fait zizir. Ah, monsieur l'agent, pendant que vous y êtes, il y a des hommes armés à votre barrage là au point de contrôle. Ouais, 5 minutes, je réponds un petit message sur TS. Il y a des hommes armés au poste de contrôle, monsieur. Ouais, mais ils disent protection civile, je sais pas quoi, ils voulaient savoir si j'avais des armes. Ils sont deux, voilà. Ils sont deux. Il y en a un sur les rochers qui essaie de se cacher, mais il est pas très discret. Et il y a une personne sur la route. Vous savez quoi, Jean-Yves, ils m'ont envoyé, enfin les mecs du cartel, bof bof l'action, je lui mets bof bof le respawn. Bien joué. Je peux voir vos papiers, monsieur. Ah oui, allez. Le nom de monsieur Mikhailov. Mikhailov. Je vais vous donner mes papiers. Mikhailov. Voilà. Ah, très bien, monsieur Mikhailov. Ok, bah écoutez, Unknown contact, 1.5 clicks northeast. Attendez, il m'explique en PLS. Information, allez voir ça tout de suite. Policier Loïc pour Oscar, en attente de dispatch. Merci vous aussi. Oscar, Loïc. Les gars, on va au... On va au poste de contrôle. Il m'a dit, normal, je suis mort par balle. J'ai répondu oui mais non. Poste de contrôle. Ah, tiens, vas-y. Ouais. Restez pas au milieu de la route, restez pas au milieu de la route. Venez ici, venez ici. Vous pouvez mettre la sirène, s'il vous plaît. Pardon? Il veut la sirène. Pourquoi il veut la sirène? Pas de soucis, ouais, on va repartir donc. Les médics ils sont arrêtés juste pour voir la sirène? Non, pour que les civils voient la sirène, pour attendre la sirène. Vas-y, on va aller voir ce qui se passe là. Oh, sirène, ouais, sirène. C'est le flic qui veut absolument passer devant. C'est un veau, il arrive pas. C'est un veau. Ah tiens, flashez-le lui. Rip les distances de sécurité, mais on s'en fout. Je sais pas si vous allez comprendre. Moi je vais flasher la merco. Oui, mais justement. C'était pour la merco. Ouais, je vous dis. Vas-y. Bah tiens, le collègue. Oui, le collègue commence à se coucher. Hein? Le collègue. Le collègue commence à se coucher. Il y a la barrière. Oh, c'est les rebelles. Oscar d'Alpha.
Transmettez. On a besoin d'être sur votre position au niveau du poste de contrôle, on a des hommes armés qui le contrôlent. On ne peut pas vous envoyer d'aide pour le moment. Et bien reçu. Ok, descendez. C'est l'heure de s'arrêter, je continue à faire un petit tour avec la voiture pour repérer combien d'individus. J'en ai vu deux, moi. Un dans le... Un dans la petite maison, là. Monsieur. Ouais, il est parti. Nico. Je vois plus où est le deuxième. Moi je rentre pas dans le véhicule, ok, je me mets juste ici. Je fais semblant, tac, monte en passager, tac, c'est du faux. Mais ils vont bien voir. Non, non. Je vois plus où est l'autre mec, hein, par contre. Trois, il est sur le rocher. Sur le rocher? Non. Ah, il va peut-être ouvrir la barrière, l'autre. Ah, derrière la voiture, derrière la voiture. Il y a moyen de les taser, les gars. S'ils sont que deux, il y a vraiment moyen de les taser. Pour moi, ils sont que deux. Ah ouais, ouais, derrière la voiture, ouais. Ils sont rochers, aussi. Moi, je peux m'occuper de celui derrière la voiture, il me voit même pas. Attends, je commence à mettre le masque anti-lacrymo. Ouais. Ah oui, oui, oui. Go masque anti-lacrymo et go lacrymo. Tu veux que j'aime lacrymo ouf? Bah, à 3, vous me dites. Non, mais on lacrymo ouf. Bah, sur les mecs. Je lance vers la voiture et toi tu lances. Non, vers, j'ai une meilleure idée. Je fais une lacrymo et ouais. Vous vous tasez. Ouais, non, attends, ça pue sa mère en fait. Attends, on en lance plusieurs. Okay. Ouais, un. Alpha, pause. Attends, d'abord on transmet. Transmettez. Patrouille Alpha, Proscar. Transmettez. Vous avez toujours besoin d'aide sur le rocher, sur le rocher. On a deux individus armés qui contrôlent et soi-disant ils laissent passer que les civils et pas les rebelles. Donc on sait pas trop comment intervenir. Je vais essayer de négocier avec eux. Ouais, je viens là, les autres ils sont occupés donc je vous donne un coup. Il y a moyen de les taser, hein, les hic, hein. Honnêtement. Okay. S'ils sont que deux, on est quatre, il y a vraiment. Ils sont deux là, je les vois, ils sont deux. Tu veux que j'aille négocier? Vous êtes... Non, mais à mon avis, Vitaly, tu vas pouvoir le taser, lui. Hein. Vous voulez que j'essaye d'aller négocier ou quoi? Attends, je crois qu'il t'a vu. Il t'a vu, je crois, l'autre. Ouais. Là, il sort de son buisson. Là, il... Ou alors, il est tombé du rocher. Non, il est toujours sur le rocher. Il m'a assommé. Ouais. C'est assommé. Nice, j'en ai un. En haut de la colline. Ça t'a tué? Ils sont où? Ok, on a bas. L'ennemi est derrière la petite cabane. Je mets de la lacrymo. Hein. Ah, dans le petit cabanon là, ok. Voilà. C'est bon. Individu abattu. Je vais aller les voir. Nice. Un coffret. Il est où l'autre, Vincent? Il y en a un qui était côté Jackson du poste de contrôle. Ah, mais ils sont tous morts, non? Ah oui, nice. Ils étaient ouais. Nice, on en a un. Nice, les gars. Beau travail. Beau travail, j'escorte, j'embarque. Bon, bah, rip Vitaly, par contre, hein, mais bon. Ouais, bah, je l'ai battu parce qu'il avait battu l'autre. Ouais, ouais. Non mais fallait. Mais en fait moi j'aurais pu la battre 15 fois mon gars. Sauf que je me suis dit on va quand même essayer de le taser, ça pourrait être sympa. Et chose faite. Donc nice. Les collègues, ça va aller collègues. Ouvre la barrière Vincent, je viens de chercher. Attends, elle est ouverte. Non mais l'autre barrière, direction Ian. Vous voulez qu'on aille à Jackson? Non non non. Attends. On va sécuriser la zone parce que... Pompier. Ouais, le pompier là, il fait son feu. Ouais, moi je suis un supprimissible. J'enregistre, je suis un supprimissible.
Il est en train de s'énerver contre les civils, Vitaly. Henri Joël, boum, supprime ici. Nice. Petite 5 data. Oh, on a deux ambulances. Faites gaffe, il y a peut-être du renfort. Allez-y, circulez, monsieur, doucement. Non, Martin, il se fait du fric, hein. Martin, il se fait du fric. En fait, il a été abattu d'une balle, mais j'ai pas vu, donc... 600 meters north. Ok, il a reçu un couillon, c'est très bien. Bonjour, collègue. Bonsoir. Très bien. Bonsoir. Il y a une autre victime, hein, je sais pas si... Oui, oui, bah les deux victimes sont là, on a réussi à taser un autre individu. Ok, très bien. On va prendre le... En tout cas, nice, hein. Nice, Vincent. C'était propre. C'était propre, c'était. Bon, ah, tiens, l'autre, je voulais le taser. Tu sais, j'ai tenté de le taser, mais ouais, tiens, mais... je crois qu'on les balles du taser, ça s'appelle. J'ai tout mis dessus. Voilà. Ouais, mais des fois, le taser, c'est un peu bugué. Hein. Ça tire ? Genre, le viseur, il est décalé. Ah non, c'est le Nissan, le moteur de la Nissan. En tout cas Stan il joue vachement bien, Stan Brinel. J'ai déjà 2-3 civils qui jouent. Ah ouais non mais lui à chaque fois je le vois en pompier il joue vachement bien. Les pompiers en général ils sont bien. Ouais ouais honnêtement ils sont... Ça tire, si si ça tire. Allez, fais gaffe les quoi par là. Ouais c'est peut-être à l'armerie. Pourquoi il y a marqué infirmier Max Shepard? Faudrait appuyer non, sur le petit bouton de secours normalement dans leur tenue, moi, hein, dans votre tenue. Ah c'est toi Loïc? Pour intégrer, faudrait appuyer dessus. Hein. Ah bah parce que mettre Loïc en jeu, on va faire chier. Parce que sinon je pourrais rien faire pour votre collègue s'il n'y a pas appuyé sur le petit bouton de secours. Bonsoir, c'est d'armes lourdes. Je vais vite aller voir alors. Excusez-moi monsieur agent. Voilà, merci. Vous venez monsieur. Voilà, allez. Tenez bon monsieur, c'est le pompier. Dis, regardez pas Allez, monsieur. C'est moi, je le dis. Tenez bon, monsieur, agent. Je retourne dans ce car, je laisse. Ok. Dites-moi, expliquez-moi ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Faudrait peut-être retirer votre cagoule, vous entendrez peut-être mieux, monsieur. Bonsoir, monsieur, agent. C'est bizarre, ça, monsieur. Vous m'entendez, monsieur l'agent? Ouais, il y aura besoin d'un transfert CHU, je suppose. Monsieur l'agent, je crois que votre collègue, il est encore inconscient. Ah non, c'est moi, il bouge. Ah, je suis là, excusez-moi. Monsieur, vous êtes là, inconscient, j'étais dans le coma. J'ai dû vous choquer pour tout ça. Donc vos collègues m'ont expliqué, apparemment, vous avez reçu un gros coup de crosse sur la tête. Ouais, il m'a tombé à terre plusieurs fois. Ouais. Est-ce que je peux ramasser mes petites valises avant de partir dans l'ambulance? Si après vous pourrez enlever votre béret aussi, ça m'aiderait bien. Il est où? Il est parti, monsieur. C'est une blague là. Les gars, on a un individu qui est parti. Attends, il a pas suivi le... C'est une grosse blague, hein. Non, mais là, il va y avoir ban, hein. Voilà, ça va être du ban. C'est... Il est parti. Ah oui, il est parti. Ouais mais c'est une grosse grosse blague. Bon bah s'il revient pas. Je crois que j'ai fait brûler la porte, moi je très bien. Vous avez pas suivi le mec? Bah non. Ralentissez. J'ai genre qu'il m'entendait pas et puis il est parti. Ouais une grosse blague. Très bien. Bon bah vous inquiétez pas, on s'occupera de lui sur le site de Lille un peu plus tard, ok? Donc, on me dit que c'est moi un misclic. Bon bah merci en tout cas pour votre déplacement monsieur. Non mais non, je suis d'accord. Collègue, est-ce que c'est bien Henri Joël monsieur? Collègue. Ouais ouais, c'est bien Henri Joël Vincent. Enfin il me semble que c'est lui qui est parti parce que... Vous avez entendu monsieur? Dans ma voiture. Il s'est présenté à moi, il m'a dit général Henri Joël de la Black Squad. Ok, mais de toute façon il est parti là. Le général il va prendre cher. Je vous laisse remonter dans la voiture sauf Vitaly. Vincent, par au commissariat. Union ou Jackson? Union? Ouais non, Jackson.
Ouais, non, Union, pardon. Union. Parce que... Mais sérieux, là. Par contre, c'est quand même une grosse blague, le civil qui se taille, hein. De... Ah non, c'est Oscar, tiens. Parce que vu qu'ils sont support, Vincent, je te laisse annoncer Oscar. C'est vous qui m'avez méloqué, monsieur. Oui, exact, c'est moi. Ouais, je vais rentrer, pour Oscar. Je suis en train de parce qu'il y a une petite ouverture, monsieur. Ouais, voilà, mais sinon... J'ai étalé sur le rocher, ensuite... Ok, elle est faite. Et ensuite, il y a une petite ouverture. Mais je sais pas, je pense pas qu'elle ait été faite une ouverture par... Ah, monsieur, mais il y a vraiment une ouverture, ouais. Hein, c'est pas une histoire de... Oui, non. Oui, je sais, non, mais je sais pas si elle a été faite exprès, l'ouverture, en fait. Je me demande s'ils ont pas oublié quelque chose ou... Ah, bah ça, écoutez, j'en sais rien. Justement, nous, regarde. Parce que nous, on était au courant, mais justement... Vincent, t'es là? Ah, mais je veux venir, je suis libre. À un moment, j'ai payé, moi. Moi, j'ai plus rien à vendre. Hein. Ouais, je pense que Vincent, il est mort. Oscar, pour Alpha. Très bien. Vincent? Stupide, là, tu vas encore avoir les mains bloquées. Bah Vincent, tu m'entends? Allô, allô? Ah, tu m'entends? Ouais. Ouais. Tu peux prévenir Oscar qu'on a du coup un interpellé et un qui a pris la fuite? Attends, mec, bah, je sais pas, il ne me parle pas et il explique. Bon, attends, je préviens Oscar. Oscar pour Alpha. Transmitting. Au niveau du point de contrôle qui avait été pris par des rebelles, on a un interpellé, donc là, qui est au commissariat d'Union, et une autre personne qui s'est fait... Vous m'emmenez au commissariat de Jackson, s'il vous plaît. Ok, bien pris. On a trop de monde au commissariat d'Union. Bien pris, mais cependant, il y a une autre personne qui est partie en courant après réanimation des médics. Donc, voilà. Vous avez son nom? Henri Joël. Captif Henri Joël. Bon, ça va être un ban. Oh, bah parfait. Toi, tu rigoles pas, par exemple. J'en ai même pas besoin de... Vincent, t'es où? Je suis dans l'ambulance du collègue. Ah, t'es parti avec le collègue? Ouais. Ok. Bon, j'essaie de faire de la magie, mais... Ouf. Ah ouais, pour fermer le garage depuis la voiture, c'est chaud quand même. Hein. Bon allez, je pars sur le Jackson. Attends, bien. Non mais dans tous les cas, non mais arrête de discuter avec lui, Motor, il va s'occuper de lui de toute façon. Voilà, il aura la solution qu'il mérite. Parce que même si le médic il te parle pas et tout, il te réal, tu te payes dans. Ah non, désolé. Trop tard, je suis parti. On prendra ma voiture. Bah vous courez, voilà, ça va te faire du bien aux gens de l'Italie. Non mais j'ai un truc sur la tête, parce que sinon mais je vais prendre. Non mais sinon vous repassez rapido à Union. Pendant que tu es hospitalisé, je prends une voiture. Je dis qu'il va me chercher, ouais. Je dis que j'ai pas trajet avec toi et... En tout cas, belle intervention. Même si le mec s'est taillé. Mais t'as pas buté ici? T'as buté direct? Il m'a buté, il a buté. Il m'a assommé, il m'a dit qu'il m'a descendu. Ouais bon, rip. Et... Moi de mon côté par contre ça a été clair. Bon le mec m'accuse un peu de glitch en fait alors que c'est faux, il y a une petite ouverture sur le côté du barrage. Il me dit ouais je pense pas que ce soit fait exprès l'ouverture et tout. Enfin, bref. Dans tous les cas il prendra... Ce qui est chiant quand t'es dans le brancard c'est que tu sors sur le côté. Gardien Johnson, bravo avec l'orc. Le gardien. Ouais, ah bon bah rip. Rip, moteur mamou. Chouchou les gars. Ouais, coucou Connor. Coucou, ça va toi? Ça va, cependant je prends ma fin de service, je finis ça et puis je prends ma fin de service donc... D'accord. T'as du coup, informé, Oscar. Non mais je vais... Attends, je vais lui dire. Oscar pour Bravo. Merde, j'ai besoin d'une arrêté escorte sur ma pause. Spawn à Jackson. Hein. À Jackson? Ouais. Me dis pas que t'as fait Union. Oh rip. Vas-y. Union. Là j'ai besoin d'une ART escort, je sais pas comment je vais faire. Et toute seule? Ouais, je suis tout seul.
Ah c'est bon. Monsieur, c'est quand que je vais pouvoir payer l'amende ou quoi, comment ça va se passer parce que... Excusez-moi monsieur, mais j'ai des petits soucis pour vous démenoter, donc j'essaie de voir les zones où je peux vous démenoter et les zones où je peux pas. On va réessayer là. J'ai besoin d'un collègue, il me semble. Sinon, on fera ça dehors, monsieur. Ouais, on va faire ça dehors puisque j'arrive pas à vous démenoter dans la salle. Bon, tant pis, j'arrive pas à le démenoter. J'arrive pas à le démenoter dans la salle, donc je vais faire ça dehors. Voilà, bon, on va faire ça là. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai des petits soucis de clé de menottes. Bon, du coup, rapidement, monsieur, vous avez pris le point de contrôle, en fait. Pour faire un petit peu ce que vous vouliez. Donc du coup... Bah, un peu quand même. On était avec vous et pas avec vous en même temps. Oui, oui, monsieur, mais à partir du moment où vous fermez les portes d'un point de contrôle et que vous êtes des hommes armés, voilà. Vous faisiez ce que vous voulez, de toute façon. Oui. Oscar pour Bravo. Tu m'entends, Oscar? Joue avec mes supérieurs, monsieur, pour l'amende. Oscar pour Bravo. Transmettez. Au niveau, du coup, de... entre guillemets, de la prise du poste de contrôle, qu'est-ce que je mets comme amende? Puisque c'est pas marqué dans le code pénal. Oh, tu mets déjà que... homicide sur officier de police, hein, déjà. C'est pas le mien, c'est pas le mien qui... Ah mais complicité, donc il prend pour lui. Hein. Ok, bien pris. Bon monsieur, du coup, vous êtes en complicité pour l'homicide d'un officier de police, donc du coup, je vais vous mettre l'amende pour ça, ainsi que votre équipement, ok? Ok. Alors, déjà, je vais vous demander de tout poser par terre. Ok. Vraiment tout? Oui. En tout cas, votre sac, plus la cagoule, plus l'arme. Et le gilet pare-balles éventuellement si vous en avez un. Ok? Ok. Voilà. Je laisse tout poser par terre. Je vérifie tout ce qu'il y a. Ok, très bien. Alors, on a un G17 et il y a un truc bizarre là quand même. Je pense qu'ils avaient des armes dans la voiture parce que regardez, là j'ai une Zdar, mais j'ai pas les munitions. Ah si, c'est ça les munitions. Et j'ai des chargeurs d'AK, mais à mon avis ça devait être dans la voiture ou alors il avait des chargeurs comme ça. Bon, très bien monsieur. Alors, du coup, on va regarder rapidou. Vous avez donc une arme illégale, donc ça va faire 6000 plus que je regarde une cagoule, donc ça la cagoule que je regarde rapidou 1500. Attendez, I see movement. Car. Attends, j'arrive pas à voir ce qu'il y a par terre. Attends, il y a des soucis là. Plus donc du coup le G17, alors je vais vérifier que vous avez bien le permis. Cependant, voilà, vous n'avez pas le permis. Vérifier, je l'ai pas. Ouais, voilà. Donc du coup, en gros, ça va faire port d'armes illégales 6000, plus la cagoule, donc équipement illégal 1500, plus port d'armes légales sans permis 3000. Donc voilà, tout ça, ça va partir en saisie. Et plus, du coup, le meurtre sur un officier de police. Ok? Calculatrice. Alors, port d'armes légales, ouais. 3000. Plus équipement 1500. Plus 6000. Plus meurtre d'un policier 60000. Voilà, avant de vous appliquer les amendes, je vais quand même vous fouiller, monsieur. Hop, on va regarder ce qu'il a sur lui. Ok, très bien. Aucun élément illégal. Monsieur, je vais saisir du coup tout ce qu'il y a par terre, ok? Vous êtes là, monsieur? Oui, oui.
Ok, donc je saisis tout ce qu'il y a par terre. Voilà, très bien. Et donc maintenant, je vais vous appliquer le total du coup des amendes, donc qui est de 70 500 euros. C'est des dollars. Oui, écoutez, le meurtre d'un officier de police, monsieur, ça fait beaucoup. Hein. C'est quand même une vie qui a été enlevée, et en plus celle d'un policier. Donc, monsieur, le total est salé. Il me semble pas que ce soit... Après, au niveau des tenues, il me semble qu'il n'y a aucune tenue illégale. Voilà, monsieur. Bah, c'est bon, écoutez, vous pouvez repartir. Tout est bon ? Ok, merci, bonne soirée. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense avoir fait mon taf. Et puis je vais prendre la fin de service. Les gens, écoutez, ce fut une après-midi qui a été résumée en 4 épisodes. Alors, il n'y aura pas un épisode toutes les 2 semaines, sinon on va pas s'en sortir. Je vais essayer de vous faire pourquoi pas 2 épisodes. Hein. Je dis bien pourquoi pas 2 épisodes par semaine. Voilà, histoire d'avoir... Voilà, pas avoir une vidéo sur le serveur qui date de 1 mois. Voilà, et de vous faire ça de manière assez répartie. En tout cas, j'espère que cette petite série de 4 épisodes en police vous aura plu. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on.